Coucou mes petites filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog qui va être un vlog de ma semaine. Donc je vais vous montrer 2-3 jours avant la rentrée et ensuite je vais vous vlogger ma journée de rentrée. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog va vous plaire. Je vous laisse avec la suite. Ouais. Ouais, pour toi c'est la rentrée. Ouais, toi aussi c'est la rentrée. Tu travailles trop là. Ça va? Mais vite. Mais qu'est-ce que... T'es chiant. J'ai pas fait exprès. Oh, t'es pire qu'il est chiant. Il est amoureux de mon petit peu de jeu. Non, c'est à moi. Aujourd'hui, on est... Vendredi, j'ai passé toute la matinée à discuter à mon agence parce qu'on devait catch up sur tout ce qu'on avait fait cet été, etc. Pour les projets à venir, les trucs qu'on va faire cette année, je vais chez Myriam K avec Léna, je vais me faire les ongles parce que là, oh my god, c'est plus possible d'avoir des ongles comme ça. On va le promener? Vas-y. Tu m'accompagnes au métro? Bah c'est où le métro? Tu prends pas le métro? Bah pas du tout. Oh, bravo! Petite balade en famille! C'est la famille anglaise, regardez ma nièce. Petite nièce anglaise. Oh, ma soeur anglaise. Elle est best anglaise. C'est moi. Bye bye. Bye. My god, ouais, je suis trop moche. Je vais être trop moche à chaque fois. Pourquoi y'a pas Facebook dans les machines comme ça? On est chez Myriam K et il y a la petite Marilou et elle encore. Et la grosse meuf ouf. J'en peux plus. Dès que je respire, elle est à côté de moi. Si, c'est impossible que je vous croise ici parce que vous avez déjà vu ici. Ah bah si. Il y a une semaine, ah bah si. On vient toutes les semaines. On va faire le soin, on va faire le brushing. Là, on a 6 minutes pour aller aux ondes. Ah oui, c'est vrai. C'est pas loin, non? C'est ça, hein? Hein? Mais c'est toi l'adulte. Oui, non, bah, c'est trop bien que c'est l'adulte. On est venu faire nos ondes parce que là, là. Oh my god. T'es en train de ranger, t'es sérieuse? Des petites pétales. J'ai décidé que pour que cette rentrée se passe bien, il fallait que je range ma chambre. Là j'ai reçu un colis aujourd'hui de la part de Desenio avec qui je suis en collaboration pour cette vidéo et c'est trop bien parce que je vais pouvoir redonner de la fraîcheur à ma chambre, pimper mes murs. Je suis trop contente, je vais vous montrer les posters que j'ai choisis, ils sont trop beaux. Desenio c'est un site qui vend et des posters et des cadres et il y a vraiment énormément de choix, il y en a pour tous les goûts. Incroyable mais vrai, je vais ranger ma chambre. Il y a plein de tailles différentes, regardez là il y en a une petite. Là elle est énorme, celle-là elle est moyenne. Oh trop beau. Et il y a tous les cadres, parce que Desenio ils vendent aussi les cadres. Ça c'est le plus grand, c'est de 50 sur 70. Un film protecteur. Ça c'est pas du verre, c'est genre de l'acrylique. Et c'est trop bien parce que du coup ça se casse pas. Trop beau, j'adore. Regardez, j'ai fini de mettre toutes les affiches dans les tableaux. Je mets quoi où? Ça c'est l'affiche la plus grande, j'ai pris un cadre noir. Et ça c'est le format 50 sur 70. J'ai des ça chacal. Ça c'est Jade, décoratrice d'intérieur. Elle change sa chambre 4 fois par mois. Ça c'est un tout petit peu trop haut. Voilà, j'ai fini d'installer les tableaux au mur. Je suis trop contente, elles sont trop belles. Et je trouve que ça va trop bien ensemble. J'ai fait exprès de prendre que du noir et blanc et 2 touches de couleur. En plus il y a un mélange de tailles, je trouve ça trop beau. J'ai mis ça au dessus de mon lit et de ma commode. Par exemple cette affiche, c'est l'affiche Antibes en 50 sur 70. Celle-ci elle s'appelle Legs et je l'ai prise en 30 sur 40. Et j'ai aussi cette toute petite affiche qui s'appelle Girl Power. C'est trop beau, c'est un habit de ouf, un mur blanc, je suis trop contente.
Du coup, je vais vous mettre le lien du site de Désigné en barre d'infos avec tous les noms de mes posters, avec toutes les tailles. Et je voulais aussi vous dire que vous avez moins 30% sur le site avec le code MAYADORABLE jusqu'au 12 septembre. Vous avez une réduction sur tout le site, sauf posters personnalisés et les handpicks. Et vous pouvez aussi les suivre sur Insta, c'est @Désigné pour plein plein d'inspiration. J'ai retrouvé l'américain. Pour une fois qu'il est bronzé. Il triche. Thomas, je te dois une claque, je vais m'énerver. J'en peux plus, j'ai l'impression qu'il y a eu 3 vies dans ma journée. Elle est en première année de médecine. Maintenant qu'on s'est pas vu, un mois. Du chinois. Non, attends, mais là, les gens ils recopient là. Il est poli. Personne copie. D'imbiquitanation de l'APC. Oh là là. Ah, c'est une division. 600 gigas dans son cerveau. Née, elle est inédite. T'as combien de gigas toi? 57. Moi j'en ai 8. Le meilleur moyen de locomotion. C'est parti, nouvelle journée. Aujourd'hui c'est une journée archi tranquille parce que c'est l'anniversaire de ma grande copine Mérode. Celle qui est en médecine. Ça fait je crois 12 ans qu'on se connaît vraiment. Elle date, elle commence à être dans les archives. C'est ma tenue pour la journée. J'ai une robe t-shirt bouhou. Mon sac. Mes chaussures et en dessous j'ai mis le short Jennifer de la Marfouf. Je l'ai commandé sur Asos, elle est trop belle. Et mes ongles. C'est parti. Okay. Au lieu de tricher comme Maya là. Quoi? Elle trichait parce que ce qu'elle fait c'est qu'elle dit je veux tel fruit et après elle regarde les gens. Peut-être qu'on va réagir et du coup c'est de la triche. C'est l'heure où je vais tous les ficher au jeu des 7 familles. Bah tu pioches, tu dis. Quoi? Cramé frère. Toi t'es con hein. J'ai une famille. Ah vas-y. Maya. Quoi? Je vais les ficher au Cluedo. Dis celle qui a perdu deux fois au 7 familles. Jade, non, Personne boit, Jade a la face souris. Jade, un souris. Non. Pourquoi tu regardes mal comme ça parce que tu vas être madame, je sais pas comment. C'est beau, là, je suis madame Leclerc. J'ai 18 ans et j'ai fait des crises comme ça. Je suis en totale crise de nerfs depuis 30 minutes parce que je ne sais pas comment m'habiller pour aller au restaurant ce soir. Mais vraiment, quand t'aimes pas ta tenue, vraiment, t'aimes pas ta vie, t'aimes pas ta journée, genre y'a rien qui va. Un sentiment que je n'aime pas. J'ai mis une combi, déjà j'arrive pas à la serrer, ça m'énerve. Par contre faut que je me fasse une coupe parce que là, oh my god. C'est bon là j'y vais, j'ai mis ma petite tenue. Bah le vert kaki et le rose ça va bien ensemble. C'est parti. J'adore marcher et entendre le bruit des talons. Il me donne trop de confiance, genre j'ai l'impression que j'ai ma vie en main, que je suis riche, que je dette ça. Vraiment si toutes les chaussures pouvaient avoir le bruit des talons, ce serait génial. C'est quoi ton problème, Suzy, là? La souffrance. Ah, ouais. Suzy, foulez papa, foulez papa. Vérifie qu'il y a personne, là. Ouais, ça fait la meuf en Louboutin pour mettre des claquettes dès qu'il n'y a plus personne. Si, si. Bon, du coup, là, j'ai retrouvé Garance et on est venu dans un petit salade bar trop mignon. C'est quoi ce miroir, wesh? Je veux le même dans ma chambre. Là on va chez les 39,99€. J'ai trouvé un pantalon et c'est trop bien parce qu'il est gratuit. Une fois que c'est pas 39, ils ont mis un point d'exclamation. Bon du coup là on va à la SPA. Chez moi j'ai un lapin depuis 4 ans. La SPA parce que je vais essayer de lui trouver un copain. On va voir si y a un lapin qui lui correspond. Et c'est mieux d'adopter à la SPA parce que bah dans les animaleries ils les vendent quoi. Et c'est pas bien de soutenir la vente d'animaux parce que bah tu peux pas acheter un animal. Tu l'adoptes, tu l'achètes pas. Plein d'animaux qui sont abandonnés. En plus là vu que c'est la fin de l'été il doit y en avoir plein. Les animaux c'est pas des cadeaux, c'est pour la vie. Si vous cherchez à adopter un animal, pensez à la SPA parce que c'est mieux que dans les animaleries parce que vas-y ils vendent des animaux en mode c'est des sacs. Bon les gars, je suis rentrée chez moi et j'ai reçu un colis. Wesh, un colis un dimanche. Depuis quand les postiers marchent le dimanche? Je suis choquée mais je suis pas déçue. C'est une marque que je connais pas, ça s'appelle Nude Sticks. Et en gros
Bah c'est nude et c'est des sticks. Demain c'est la rentrée. C'est aux consignes pour se désinscrire. Il est l'heure de se préparer pour aller à l'école. Et vous savez ce qui me stresse le plus avec la rentrée? L'emploi du temps. Si mon emploi du temps c'est de la merde, et ben ma vie c'est de la merde. Bon, je vais mettre que du mascara parce que de 1, je vais à l'école, pas un défilé de mode. Et de 2, mon fond de teint il est plus à ma couleur et j'ai la flemme d'en racheter un du coup. Bah pas de fond de teint, hein. Cette année j'entre en BTS commerce international. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais bon, on m'a proposé, j'y vais, hein. Et j'ai reçu un mail qui me disait que cette année, une fois par semaine, on devait mettre une tenue professionnelle. Vu que je ne savais pas ce que c'était une tenue professionnelle, j'ai tapé sur internet et j'ai vu que c'était que des costumes. Mais moi, j'ai pas de costume. Mon seul costume, c'est ça. C'est ce que Léna m'avait acheté. Du coup, je vais enfiler ça et j'arrive. Bah voilà, tenue pro. Regarde ma tenue pro. Non. C'est un costume. C'est un costume. Non, tu peux pas y aller comme ça. Mais comment ça, je peux pas y aller comme ça? C'est un costume. Et comment je suis censée savoir, les youtubeuses, notre tenue pro, c'est un G7X, c'est un maillot de bain. Bah voilà, au final j'ai mis un jean noir et un haut de Louis XIV. Je vais faire mon sac. Premièrement j'ai un stylo à paillettes. Ensuite j'ai cet agenda. Je sais que c'est le genre de truc que je vais utiliser genre une semaine. Ensuite le meilleur truc, ils sont trop beaux, j'ai eu mon bac grâce à eux. Voilà. C'est parti. Finalement j'ai changé de haut parce que... Putain mais ces chapeaux ils m'énervent, ils me rappellent les vacances. On n'est pas le 2 septembre, on est le 32 août. Le 32 août, tu peux pas me demander de mettre un haut manche longue et un jean serré comme ça. Bah, il fait trop chaud. Minouche, je vais à l'école. Fais-moi un bisou. Fous de ma gueule. Du coup, voilà, c'est bon, j'ai fait ma rentrée, j'ai fini, je suis sortie. L'emploi du temps, je m'attendais grave à pire, donc ça va de ouf. Mais voilà, là, je vais aller faire les fournitures, j'attends Léna Mahfouf. Voilà, regardez là, on a fait l'achat des courses scolaires. 100 euros. Je vous jure que 100 euros, c'est rien par rapport au prix de nos oreilles. Tous les enfants de Paris étaient dans ce magasin. J'ai un brouhaha permanent, un boucan, pas possible, j'ai une otite. Ça devrait être interdit aux mineurs, les magasins. Ah mais t'es mineur. Oui, c'est vrai. Bon, vas-y, on va aller parler sur la gueule de tout le monde. Voilà mes puces, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai vraiment amené dans ma vraie vie d'école, ma vie avec mes copines. On a toujours l'impression que c'est horrible, même si au début ça se passe mal, ça finit toujours par bien se passer. Au pire, même si c'est vraiment pas le cas, ce qui est assez rare, bah vous allez en cours pour aller en cours quoi. Vous n'avez pas en cours pour faire des copines. Suivez vos cours, lâchez rien. Si vous êtes harcelé, parlez-en. Pas en restant dans votre coin que ça va s'arranger. Et sur votre CV vous allez mettre vos diplômes et non pas le nombre d'amis que vous aviez au collège, au lycée. J'espère que ça va bien se passer pour vous et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.